Amadou. Début de la troisième et dernière reprise. Voilà. La gauche. Ouais, Amadou. Voilà, donne tout. Vas-y, parle pas, discute pas. Vas-y, vas-y, laisse-le pas, wesh, enchaîne-le. Enchaîne-le, y'a pas peur, vas-y. Vas-y, Ah, c'est la dernière, Vas-y, vas-y, va bientôt enchaîner là, vas-y. Bouffe-le là, vas-y. Carte haut, cousin. Là, va tous, c'est la dernière. Passe mur. Vas-y, Mamadou. Eh, Mamadou, reste-toi peur. Ça va t'y, hein. Il va se réveiller à 15h demain. Il va dormir à 15h. Moi, je vais le mettre, moi, je sais qu'il va gagner. Je sais qu'il va gagner, mais il est en bonne Ouais, Amadou. Comment ça se fait la mission? Machallah. Voilà donc, j'aimerais qu'on applaudisse donc monsieur Jianet Pounet pour la Belgique et monsieur Mamadou Niakate du club de Vichy pour la France pour ce combat rencontre internationale. Yeah, my nigga. Yeah. Bravo! Ouais, Amadou! Bravo! Ça toque! Ah, arrête de pousser! Eh bien, messieurs les boxeurs, au centre pour la décision donc des officiels. Les protéines, il y en a assez. Le cardio. On est sur le cardio là, on est sur le cardio. Il a tenu son cardio là. Monsieur Pascal Delfosse, donc pour la remise des récompenses, donc président de la Ligue Île-de-France des sports de contact, ancien donc champion du monde, voilà qui va remettre la récompense. C'est une personne alors. Et donc déclaré vainqueur de ce combat contre Belgique-France, le boxeur coin bleu, monsieur. Eh bien, nous allons donc nous quitter juste le temps d'une petite pause et un petit entracte de 15 minutes. 15 minutes, donc on se retrouve à 21h07 ici précisément. Ce serait pour la continuité. Il a pris sa ceinture, il a pris sa 21h07. En attendant, vous pouvez profiter pleinement de la pub.